Salut tout le monde, on est reparti pour un Drunk Dealer Simulator. Je tiens à remercier donc toutes les personnes qui m'ont laissé encore un petit commentaire, un petit pouce, les nouveaux abonnés, même les anciens. Franchement, vous êtes super les gars, ça me fait énormément plaisir. J'ai encore eu énormément d'informations sur le jeu, des petites choses que je préfère ou que je n'ai pas fait, des remarques qui me manquaient pour par exemple débloquer le gant de psychédélique. On va vous montrer tout de suite comment le débloquer. On va faire cette vidéo spécialement dessus. Donc dans les épisodes précédents, comme d'habitude, vite fait, on a récupéré donc ici une nouvelle petite cachette. Donc assez sympa. Donc ça sera pour les plantes, donc pour les plantes de cannabis. Je sais, donc pareil, on m'a annoncé que les plantes extérieures, c'était beaucoup plus pratique. Mais comme je me suis fait braquer déjà mes quatre premières plantes, on va traîner un tout petit peu sur l'extérieur. Pas que je veux pas, mais voilà. Là, pour débloquer les gammes psychédéliques, en parlant de plantes aussi, faut oublier, j'ai mes petites plantes ici, et il faudra que je les arrose, donc je les arroserai. Pour débloquer ce gamme psychédélique, il faut automatiquement parler, hop, il faut aller ici, à vos dealers. À vos dealers, à vos clients, savoir où se situe ce gang. Les meilleurs endroits. Les meilleurs endroits pour ça, il faut automatiquement faire tout ce qui est Sting, Kennel et techniquement Sting et Vieux Marché. Donc avec un petit un client, lui je vais le prendre. Je vais le prendre. Voilà, un dealer, ça c'est bien. Voilà, comme je disais, Sting, Vieux Marché pour avoir directement le maximum d'infos. Donc, chose qu'on va faire tout de suite, tout de suite. C'est bien, à tous les clients que je vais avoir aujourd'hui dans cet épisode, je vais leur demander. Au moins, c'est sûr et certain. Voilà. Quel neige j'ai pris, quel neige j'ai pas pris. Oh. Kennel, c'est... Non. On va pas prendre, je n'embauche pas, je suis désolé. Surtout que tu es. Après, tu me demandais pas beaucoup. Ouais, bon, on va attendre. On va attendre au pire des cas, quitte à revenir, il va sûrement revenir. C'est pas trop grave. Il me reste, ouais, 120, donc ça c'est bien. En fait, allez, on va commencer par. Non, marijuana, j'en ai pas beaucoup, il faut que 3 grammes. 3 grammes. Il me faut. Est-ce qu'il me faut un 2 grammes d'amphétamine? Non. Donc lui s'attendra. Donc alors. 33. 33. 13, 15. Allez, on va déjà commencer par les gros. Non, on va prendre un paquet de 50. On va le faire tout de suite. 50. 17. Ça c'est bien, donc 15, je me trompe pas, 15 et 13, 15, 13, 8, allez on va faire 15, 15, 13, 8, non, 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 ça va, en bas, on va essayer de se dépêcher, un maximum, aujourd'hui, merde, 13 et 8, 5, là, je me suis un peu. Voilà, j'ai perdu du temps, mais c'est pas grave, c'est un film. Il m'en reste 5. Allez hop, 5 grammes. Parti. Sinon, Ecstasy. Ecstasy, 6, 3, 4. 6, 3, 4. Et après, Crystal Meth, 6. Donc, 6, 3, 4. 6. 3 et 4. Et là, il en faut 6. Pareil, on m'a demandé donc pour le Discord. Le Discord est en cours. Il est très bien avancé. Donc là, c'est juste des permissions encore à régler. J'ai pas envie de lancer un Discord qui n'est pas réglé à 100%.
J'ai quelques amis donc déjà dessus qui m'aident pour le faire. Donc sur ça, il faut pas s'inquiéter du tout. Donc voilà, faut pas s'inquiéter du tout, du tout, du tout. Ça avance très très bien. Mais, je dis bien, mais comme promis, ça sera donc ça sera janvier. Au plus tard, ça sera janvier, quoi. Ça, sur ça, c'est sûr. Si vraiment, parce que là, moi, je suis en congé dans peu de temps, si vraiment j'ai le temps, vraiment, surtout que c'est les périodes de Noël, donc c'est ça qui va me freiner beaucoup, là, je ferai automatiquement un effort et le mettre avant, donc avant le mois de janvier, donc pendant la période entre Noël et Nouvel An. Mais, je dis bien, mais c'est pas sûr du tout. Je donne ma date butoir début janvier. Début janvier, allez, le 9 grand maximum, elle sera, il sera donné. Vraiment, le grand maximum, le 9, le Discord est donné. Ça, ne pourra pas vous en faire. Donc là, je pose un maximum de questions. Je pose toujours la même question. Les gars, ça soit pas, soit. Voilà quoi. S'ils supposent qu'ils sont dans le coin, mais ils savent pas où. Même si moi, je sais où qu'ils sont. Jusqu'à temps qu'il y a une personne qui vous dit. Qui vous dit oui, ben, je sais. Je sais où qu'ils sont. Tu dis tu dis de venir pour moi. Et puis, ils vont te faire rentrer. Voilà. Ouais, j'espère que. Parce qu'après, ça va régler, j'espère, le petit problème de 0 grammes. Donc, des sachets de 0 grammes. Parce que je vais débloquer automatiquement les drogues comme ça. Donc, tout ce qui est champignons, LSD, voilà, tous les petites drogues comme ça. Voilà, ils ont une cachette dans les environs, mais aucune idée. J'espère que ouais, ce petit défaut va disparaître. Pareil, je reviens aussi sur le gang. Le retour du gang. Donc j'ai eu aussi un commentaire, donc c'est de Tool. Donc très très bien Tool, merci, merci de cette info, c'est très gentil. Donc Tool me signale que ce n'est pas un bug. Ils ont patché automatiquement donc, le retour des gangs sur 10 jours. Donc les gangs reviendront automatiquement sur 10 jours. Et automatiquement, donc si vous voulez vous faire un max de thunes, là, il faut partir dans le secteur C. Pour ça, il ne faudra pas s'inquiéter. Mais pas, il faut éviter de trop, comment dire, parmi le secteur C. Faire attention parce que bah, si vous débloquez automatiquement l'endgame, bah voilà quoi, c'est la fin de la partie. Après, je ne sais pas ce qui se passe quand vous avez débloqué cette mission de fin. On verra. Avec ma partie, en espérant que je vais y arriver jusqu'au bout, quoi. J'ai entendu quelques clients, on va regarder. Ouais, vas-y, ta gueule. On va me chercher. Rapporte-moi du clic. Non, il n'y a personne. Et bien marché. Il n'y a personne non plus. Bon, c'est pas. Là, je n'ai pas encore débloqué. Bidonville. Là, il n'y a pas. On va finir ici. Techniquement, j'ai plus besoin de poser la question parce qu'il faut principalement. Ah, un nouveau dealer. Ah, un nouveau dealer dans le quartier vieille ville S. Ouais, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu me prends beaucoup de grammes? Ouais, mais tu vas me demander beaucoup plus. T'es pas un accro. Bon, pareil, hein, j'ai eu un retour donc de l'un de mes amis qui s'est mis dessus. Et c'est vrai que. Moi, je garde, entre guillemets, les personnes. Oh, toi, je t'avais oublié. Oh, tant pis. Moi, je garde les personnes accros. Comment dire? Je les transforme pas en dealer. Vous pouvez. Vous pouvez. Il n'y a pas de réel changement si un accro devient dealer. Bien au contraire, vous rapporte beaucoup plus d'expérience et tout. Donc,
Donc voilà, moi ça c'est mon petit truc personnel quoi que j'adore faire quoi. 44, 11, 15, 2. Ah déjà 2. On va prendre les deux derniers. Ah! On va oublier d'en faire. Par contre, j'ai vu que la Kylian, j'avais pas de retour de. Comment dire? D'accro dessus. Donc on va la terminer. Mais je vais continuer un tout petit peu avec ma recette. Ça fait longtemps. Donc j'aurais eu un peu plus d'accro. Certes, j'en avais déjà. Mais j'en aurais eu un peu plus. Je l'aurais peut-être gardé. En sachant qu'elle change pas beaucoup. Qu'elle change pas beaucoup. Pareil, on avait parlé d'une petite. Ouais, pareil, on m'a tellement posé de questions, j'aurais dû les noter. Bah, poser de questions, poser de trucs. Ouais, y a des nouveaux trucs avec les drogues, il faut la terminer avec une pub tense. Je sais plus laquelle. Moi, bon, j'essaierai de voir pour la hors-série. Par contre, je suis désolé pour l'hors-série que je devais faire cette semaine. Ça ne sera pas le cas. Niveau travail, j'en ai énorme. Dernière semaine avant la congé, donc le boulot ne pas trop vous surcharge, nous surcharge de boulot. Ah merde, je peux pas mettre 50, fais chier. Fais chier, je peux pas mettre 50. Tant pis, je vais prendre la 15. J'avais 15 et 11, c'est ça? 15 et 11, c'est ça. Donc là, j'aurais pas le temps. Je vais juste sortir les éditions spéciales. Que comme là les hors série je le ferai sûrement pendant les vacances entre Noël et Nouvel An j'arriverai à me prendre un petit créneau pour ça ça sera bien quoi ça sera mieux au moins elle sera mieux faite et c'est ce que je veux pas faire je vais pas faire une série qu'elle soit gâchée quoi parce que j'ai voulu me dépêcher à la faire parce que j'étais crevé ou quoi que ce soit quoi. C'est 44, donc 6. Hop, ça c'est bon. Alors, il me reste Margaret Wanda. 23 et 15. On va regarder. Ça c'est bon. Si, j'avais automatiquement récupérer tout sur le compte, non mais moi 150, pas non. Moi je pourrais acheter la table de l'autre côté, c'est bien, peut-être à beaucoup d'eau en plus. Et après peut-être que je fasse pas mal de secteur. Personne autour de moi pour un coup. On va quand même leur poser la question, même si techniquement, voilà, eux ils savent rien, il faut plus parler à Stink. Aux personnes de Sting. Un accro, Crystal Met, même pas encore de la Kylian. Ah vraiment désolé Kylian, mais j'ai eu aucun accro à ta drogue. Ah peut-être pour une prochaine fois. Entendre les flics. Là tout de suite. Pareil, j'ai entendu quelques clients. Ah non, il t'a mis un truc au collège, c'est pas possible. J'aurais eu plus de personnes donc dans le quartier Stink, j'aurais récupéré la formation beaucoup plus vite, bien sûr. Si vous avez des clients là-bas, c'est un coin que vous préférez.
Pour ça, voilà, vous aurez au moins cette information assez rapidement. Après, vous allez récupérer, donc bon, j'ai regardé sur internet, je me suis rafraîchi la mémoire parce que ces missions-là, je les ai déjà fait. Vous allez devoir checker dans le secteur B des lettres. Des lettres dans des boîtes. Donc je vous donnerai automatiquement l'endroit où qui sont situées les boîtes. Ça faudra vraiment, mais vraiment pas vous en faire. On va faire ça comme ça. J'ai toujours personne. Et là, personne. Voilà, on va faire de l'autre côté, secteur B. Ouais, comme je disais, je vous mettrai automatiquement voilà, les emplacements sur ça. Il faudra pas vous en faire. J'ai pas trop envie que vous galériez. Si moi, vous allez voir comment ça va être très très dur pour moi. Donc, forcément, voilà, si je peux éviter de vous faire galérer, je le ferai, quoi. En tout cas, je vous ferai voir comment le trouver facilement. Il y a une petite astuce, il y a une petite bougie qui sera allumée dans l'emplacement adéquat. Où que se situe la lettre. Bon, ça va pareil, vous allez le trouver vraiment, mais vraiment facilement. Moi, en peu de temps, je vous dis, j'ai trouvé au moins la première. Et après, il faudra attendre, je crois, entre 3 et 5 heures. Donc, dans le jeu, ouais, bien sûr. Ouais, comme c'était marqué 3 à 3 à 5 heures. Et comme je dis des chiffres, j'arrive pas à retenir ce que je t'en prends de s'amuser. Là, c'est 2 Crystal Meth. Allez, hop, c'est bon. Allez, on va. Crystal Meth, Estasie. Allez, Crystal Meth, c'est 8, 4, 4, 4. Et 2 fois 5. Alors. 4, 4, 4, 4 et 8. Et 2 x 5. 5. Ah merde, 2 x 5. Petit con. Hein. Ouais, je m'insulte, ça m'arrive. Il faudra pas s'en faire. Hein. J'ai entendu un petit bonhomme, bonhomme. Si c'est au secteur B, ça serait intéressant de tour. Ouais, bah, ça va attendre. Je vais pas me casser le cul, je vais faire ma petite solution, jeter le. Ouais, bon, jeter mon sac au-dessus. Cette solution fonctionne très très bien. Quand vous arrivez du premier coup. Hein. Moi généralement je m'y prends une ou deux fois. Ah là! Ouais, premier coup! Ah c'est bon. D'habitude, ça met dans mes poches aussi. Sir, are you carrying any drugs or weapons? Non, non, elles sont là-bas un peu plus loin. J'ai jeté au-dessus du mur. On va pas faire trop le con, ça serait dommage qu'il me donne un coup de taser. Allez, on va commencer par lui ici. Les flics ils sont là-bas, donc on va commencer par là. On fera le cimetière plus tard. Y'a plus, là, y'a plus. C'est vraiment le cimetière. Ouais, je vais pas poser les questions. J'ai un peu dévié. Pareil, il faut vraiment aussi que j'achète une cachette ici. Pour que je puisse mettre à fond de drogue. Pour moi, si j'oublie quelqu'un, je suis pas obligé de partir loin. Pour partir chez moi. Voilà, il me reste le cimetière. Ah là là, j'ai des coups de lag là.
Je pourrais le faire. Oui, pareil, j'aurais pu jeter mon sac au-dessus et pouvoir éviter les flics. Hein. Voilà. Je vais devoir refaire de rajet de drogue aussi à une vie. Donc je vois pareil, j'entends des clients depuis tout à l'heure. Pareil, là en tout cas c'est un bug. Hein. Un coup de temps en temps, je vois mes clients sur mon téléphone ou en bas à droite. Là, j'ai toujours un petit logo en disant que j'ai un message. Là non. Ça c'est un peu pénible. You there. Come here for a stand still, please. Oui, s'il te plaît, dépêche-toi. S'il te plaît, dépêche-toi. Vraiment, en pire des cas, si je vois que ça traîne un tout petit peu okay, niveau après, lors du montage, j'accélérerai un tout petit peu les... Comment dire la drogue que j'ai donnée. Pour le peu que j'ai dit pendant le parcours, ce n'est pas trop problématique. Stig, ouais, lui, il revient. Allez, je vais faire lui que lui. Oh, plus de l'extasie, ça c'est bien. Une grosse quantité d'extasie, 16 grammes. Oh, en tout cas, aïe, si je commence à avoir un dealer qui demande de l'extasie, les recettes, si vous en avez une, n'hésitez pas. N'hésitez pas, sur ça, je vais vous la prendre tout de suite. Moi, je veux, même s'ils sont pas accros, je m'en fous, je veux qu'ils reviennent. Qui meurt pas, surtout avec de l'ecstasy ou quoi que ce soit, quoi, ou même le cristal mètre. Ça, c'est des recettes que je n'ai pas trop et qu'il me faudrait absolument. Quoi. N'hésitez pas à me la donner. Voilà, ça c'est bien, merci. Donc là, elle m'a dit clairement, va voir la baraque sur Sting ou qu'il y a un gros graffiti dessus, donc c'est celui-là. Donc j'ai débloqué enfin The Gang qui est là, c'est elle qui m'a envoyé. Bonjour, bonjour. Ouais, là c'est les réponses en anglais, mais bon, moi généralement je fais la première, je lis pas. Oh, une clé USB. Pour les personnes qui connaissent, ils vont savoir pourquoi j'ai dit « Oh, une clé USB ». Donc voilà, là maintenant, je peux aller chercher... je crois qu'il fallait attendre au niveau temps. Bon, on va quand même voir les derniers clients. Si on a de l'autre côté, dans le secteur B, on va aller faire un petit tour. Hey, you, wait. J'ai rien. Don't try anything stupid. Oh bah. Calme-toi. He's getting away. Mais j'ai rien fait. Okay, you're clear. Ah. Oh non, le PD. Bon, en tout cas, il m'a pas amendé. Ah si. Ah mais l'enfoiré quoi. Le gars est sur les nerfs et puis c'est pour ma gueule. Bon, c'est pas grave, on va profiter d'être dans le secteur B, on va quand même checker. Ah. Une personne accro. Check Shady Gum. Maybe there's a bail on the dealer so we can get. Ah là 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 là. Bon, une personne accro, une personne en prison. C'est pas trop grave, la personne donc s'est fait juste arrêter, donc voilà, je vais payer son arme. Ah bah tiens, un accro à la Kylian, j'en parlais il y a quelques minutes. Bon, voilà, c'est pas trop grave. On va vous donner donc la première position. Hop, j'essaie de me repérer un tout petit peu avec la carte, j'ai dû la mettre automatiquement. Donc voilà, ici, il y a une petite... un petit carton, et il doit y avoir automatiquement une bougie. Une bougie qui éclaire automatiquement donc la position, quelque part. Donc là, j'ai pas la... Attendez. Voilà. Donc là, techniquement, la bougie, elle serait ici. Hein, par rapport à ce que je vois, donc la bougie serait ici.
Il y en a, hop. Ah, regardez, regardez. Vous voyez, là, il y a une bougie. La bougie, elle est là, elle est éclairée, vous la voyez clairement. Donc, la caisse, elle est ici. Voilà, l'enveloppe, elle est là. Donc, je l'ai trouvée facilement. Je ne vais pas faire le tour des autres. Je vais vous donner directement le lien que moi, là, j'ai utilisé. Parce que faire le tour, ça va me prendre énormément de temps. Vous allez voir, quand vous allez la faire, c'est abusé. C'est abusé, j'en suis franchement désolé. Hey, you, vu le temps là, de la vidéo, j'ai envie de au moins accélérer, avancer, essayer en sachant que ça, on va le refaire trois fois. Donc forcément, je vais visiter un maximum ici. Hein, c'est tous les 3 heures, je vous dis, 3 et 5 heures. Là, je vais rendre la lettre. Il sera 17 heures, on va dire 18 heures. Ouais, il faudra attendre le minuit, une heure, quand à la rigueur. On ira repartir vers les tours là. Et ouais, vers les tours de minuit, une heure, ça sera bien. Si bien, pareil, on va essayer de blader un tout petit peu le secteur B pour rapporter un maximum de réputation. Qui me manque énormément. Bonjour. Voici la lettre. Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, il fouille le secteur A. Donc voilà. Ils sont à la recherche de... Oui. Bah, de eux, exactement. Donc là, il va y avoir un marchand ici. Il me semble que c'est un marchand, lui. Et, donc voilà. Ah non, une fois pas deux, les gars. C'est bon, hein. Perdre 100 dollars à cause de vous. Donc voilà, on va essayer de le refaire, donc... Ouais, y'a rien. J'ai cru voir quelque chose sur la table. Donc, une orasienne là-bas. Donc, je vais donner de la drogue là-bas. Et, on va voir si. Bon, ça m'étonnerait, il faut attendre. Non, je vais diminuer. Donc, on va faire finir le secteur là. Et on partira là-bas d'un côté. Peut-être monter aussi, mes drogues. Qui sont. Voilà. En argent au niveau des drogues. Ah, ici. Pas de caution. Okay, ah. So there should be info here on when the dealer gets out and what the bail is. Donc je ne peux pas payer sa caution parce que là on n'a pas. Ça c'est problématique. Forcément, sur les 7 jours qu'elle est en prison, je ne peux pas. Elle peut pas me rapporter d'argent. Payer c'est quand même un avantage. C'est vraiment un avantage parce que l'argent que vous avez déboursé pour payer sa caution, c'est l'argent que, forcément qu'elle va pas vous rapporter. C'est un choix à faire. Certes, vous perdez 1700, mais je dis bien, mais elle peut vous rapporter beaucoup plus. Quoi. Donc, pas grave, on va attendre un tout petit peu et après on verra. En fait, t'as 1050 grammes. On va refaire. Il me reste combien en fait? Donc, ça c'est bon. Ça c'est bon. On va préparer de l'en fait. Je vais commenter tout de suite Heidi parce que j'ai un peu peur que je sois à court. Pas 400 watts. Ouais. Allez, du mélange. Hop. Ouais, j'ai pris les 50 grammes. Allez, on peut y aller. Petit tour. Pas d'hiver qui arrive. Et est-ce qu'il y a des personnes du secteur B? Secteur B. Ouais, il n'y a plus de personnes. Il n'y a personne d'autre que j'ai checké sans faire esprit. Et non. Ah! 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 Mes plantes! Mes plantes! Oh, vite. Oh non, mes plantes, on s'en fout de mes dealers. Ah, c'est bon. C'est bon. On a perdu quand même un tout petit peu de santé, mais c'est pas ça qui va me perdre énormément. On va voir de l'autre côté. Ah, j'ai un peu peur là, sur le coup là. Voilà, comme je les vois pas. Ah, c'est bon, tout juste. Voilà, tout juste. À pas oublier, sinon ils perdent en santé, s'ils perdent en santé, j'ai moins de quantité.
J'aurai elle qui a moins de lumière et elle qui a moins de lumière. Donc je risque de perdre en quantité sur elle et sur elle. Ouais, c'est pas grave, ça sera infini. On va remplir. En plus, j'ai un dealer juste devant la fenêtre. C'est là, ça. Ah, deux bouteilles. Oh. Ah, ok, ouais. Voilà, vite fait. Ah, j'ai passé un peu le truc, mais bon, voilà. Je vais pas vous laisser voir les bouteilles se remplir, ça serait un peu dommage. Ouais, vas-y, prends le matos tout de suite. Ouais, j'avais que ça, je pensais que j'avais beaucoup plus de gore. Ça va avoir pris de gore en plus. Kennel et... Ok, bien marche. Ah voilà, tenez tout de suite. J'ai pas envie qu'il me tasse encore un coup parce qu'il est énervé. Hein. Petit con, j'y reviens pas. J'ai pas attention de pas me perdre. Par contre, est-ce que. Ah, tu es, t'as bien augmenté mon niveau. T'es là, te chercher. Tu te demandes, toi, hein. 200 ED, fou! Pas énorme! Ah, 600, c'est déjà un peu mieux! Allez, reprends ton souffle au cas où! On va partir directement dans le secteur B. J'avais dit 18h à peu près, voilà, il y a ça fait qu'une heure. Ça m'étonnerait. Si bien on pourra pas faire tout pour cette vidéo, je pense pas. Je pense vraiment pas. Si j'y arrive, c'est franchement c'est énorme. Si j'y arrive pas, bah. Ah, bah tiens, hop, endurance, réglé à fond. Moi j'ai plus à me soucier de mon endurance. Ça c'est très très bien. Voilà, checké automatiquement. Je ne vous ai pas fait voir, excusez-moi. Donc ouais, voilà, maintenant j'ai un petit message sur eux. Donc ils me stipulent comment qu'il faut trouver les lettres, chose que je vous ai fait voir. Un genre X sur le mur. Donc il sait qu'il va y avoir quelque chose, mais il ne sait pas c'est quoi. C'est pour ça qu'il dit un genre X. Mais nous, en sachant, c'est les petites bougies. Donc c'est des bougies éclairées, donc qui éclairent la zone. Minutes, on va voir secteur B, deux clients, cristal mètre, ok. On va finir le secteur A. Il y a eu tout le monde. Ok, il y a encore eu du monde au secteur A. Pourquoi pas bidonville? J'ai toujours qu'une personne au bidonville à chaque fois. Hein. Ils peuvent pas venir en même temps les deux là. Pas Kennel. Tu as augmenté ma réputation au bidonville, mais à cause de ça, j'arrive pas trop quoi. Et on va prendre pour un coup les deux tours. Allez, hop. Confirme. Et confirme. Allez, level 28, ça c'est très très bien. Alors, marijuana, 2 grammes. 15 grammes. Ah, j'ai oublié. Alors que j'ai quand même 130 grammes là. On va faire une radio de drogue. Tout de suite. Il dit bonjour, ça fait longtemps. Oui, je sais. 500, merci. C'est ce que j'utilise le plus. 200. 200, cocaïne, on s'en fout, héroïne, je vais prendre ça.
7000. Voilà, un kilo. Bravo. 10 000. Avec tout ce que je t'ai demandé, encore 5h50? 5h55, bien sûr, plutôt. Oui, bon, ok. Alors, tu fais, j'ai rien pris, non. Allez, donc 2 et 15. Et 15, c'est bon. En fait, 15, 15, 11. Ah! Et 11. Après, Crystal Met, 4 et 3. Allez, 4. Et 3. On va comme. Putain, il m'a fait peur. J'y combe. Désolé d'avoir crié. Il m'a fait vraiment flipper. Oh là là. Ah, ça surprend. Hein. Je vais passer de l'autre côté, pas grave. Allez, je regarde à peu près le temps de la vidéo. On est bien 40 minutes. Je vais encore me baser sur une heure de vidéo. On m'a dit que bah voilà, ça intéressait pas mal de monde sur ce temps. Donc on va essayer de garder ça, donc ce format d'une heure de vidéo. Pour les personnes que ça gêne, donc mettez-le en commentaire. On va voir. Si bien dès que j'aurai le Discord à disposition, il y aura souvent des petits sondages comme ça pour le bien-être entre guillemets des vidéos, des contenus pour avoir. Voilà, pour améliorer un tout petit peu tout ça. Donc je poserai un maximum de questions et selon le sondage, comment il va tomber. Je changerai quoi. Je changerai au fur et à mesure. On va passer par derrière. Encore les flics qui s'installent là. Ouais, chier. Trois cristal bêtes. Et. C'est plus ou moins fini. Essayez de voir deuxième côté du secteur A. Même si c'est pas trop grave, si je. Non, on va faire la killer. Non, on va faire de l'autre côté. Faire de l'autre côté. Même s'il fera nuit. Ouais, bah ça, le fric que je viendrai récupérer plus tard aussi. Secteur B, moi, il n'y a que 3 clients. Par contre, sur le secteur B, je chercherai même pas à comprendre si, je veux dire une connerie, si c'est un accro qui me demande d'être dealer. Je risque de l'accepter. Sur là-bas, il me faut absolument quelqu'un, donc là, je ne cherche pas à comprendre. Par contre, j'ai de moins en moins de bœufs. Ça, c'est bien.
Forcément, qui tue moins de bœufs, plus d'autres substances qui coûtent beaucoup plus cher, qui me rapportent plus. Bah, qui me rapportent plus. Même si maintenant, elle me coûte plus rien, la bœuf. 4 et 3, je crois que c'est ça. C'est ça, 4 et 3. On va regarder si c'est pas encore un secteur B. Si, ouais, j'ai bien fait de checker. Ouais, en plus, 10 moulis. Estazizi. J'ai repris de l'estasie et le cristalmètre. Ok, ouais, pourquoi pas. Cocaïne, en tout cas, j'en ai encore pas mal. Bon, c'est bien, maintenant j'arrive à me repérer directement d'ici au niveau des égouts. Ça, c'est très très bien. Petite pompe de peinture comme d'hab ici. Une bouquet saute, calme mon perso. Tout est en train de sauter dans les égouts. Et quand... Ouais, voilà. Donc là, la bougie, pareil, il y a une boîte ici. La bougie, elle est techniquement en haut. J'essaie de faire attention aux flics hein, quand même, hein, parce qu'ici, c'est quand même coincé. Il y a une boîte aussi ici. La bougie, elle est en haut. Après, il n'y a rien qui vous empêche de checker la boîte, hein, ça va aussi vite en haut. Il y a ici lui, mais la bougie, je ne sais plus où qu'elle est. Je ne sais plus du tout. Un radiateur aussi ici, la bougie elle se trouve là par terre. Et là, regardez, la bougie elle est là. La bougie elle est là. Toi tu tombes bien, allez dépêche. Voilà. Et c'est la tombe qui est ici. Ça c'est super, on a deux lettres pour cette vidéo. La troisième lettre se fera au prochain épisode, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, 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 sûr. Voilà, par contre, là, pour vous, on est mardi. Ouais, j'ai un peu poussé. Je vais aller faire celui-là, voilà. J'ai un peu poussé donc la vidéo. Elle a un tout petit peu de retard, donc une petite journée. Comme je vous avais dit, moi j'étais occupé ce week-end, donc j'ai pas pu la faire. J'avais mon petit neveu, voilà, on a joué un tout petit peu à Ark, j'étais tout content. Il y a un gros à Ark, il a eu sur sa Switch. Il a voulu voir sur PC la différence. Bon, il n'a pas vu vraiment de grande différence. C'est vrai qu'il est quand même pas mal sur Switch. Il est vraiment bien fait, graphiquement parlant aussi. Voilà, respect, franchement, respect sur le truc. Et puis on s'amusait, quoi. Et par contre, qu'est-ce qu'il est lourd comme jeu! Oh!
Il me fallait 400 gigas de place sur mon disque dur. C'était abusé. Franchement, abusé. Ah oui. Arc jeu, ouais, franchement intéressant à faire. Long. Long. Ça rate un jeu de survie. Bon jeu de survie. Donc là, je cherche pas à comprendre, je vais même pas chercher mes dealers, mes clients, et je vais directement donner la lettre. Ça, y a pas photo. C'est le plus important. Alors, s'il y a pas une entrée ici, je vais marcher techniquement. Ouais. Je commence à me repérer un peu. Hein. Pareil sur le wiki, donc sur le lien que je vous ai mis, donc du wiki. Certes, le wiki est assez vieux. Mais au moins, vous pouvez rechecker sur les positions comme là des lettres. Les égouts sont dedans. La carte des égouts est dedans. Donc, je l'ai vu, je l'avais vu hier ou avant-hier quand j'avais été recherché. Bon, voilà, c'est quand même assez intéressant. Voilà, il me dit comment qu'il me reste une. Donc, voilà, bon, on a quand même bien avancé. On a quand même bien avancé. On va rechecker à coup les plantes. Je vais bientôt aussi avoir ma drogue qui va arriver. On va déposer l'argent. Il m'a... Ah, 400, j'ai rapporté que 400 de l'autre côté. Oh, on rapporte rien, les gars. Demande de pâture, donc ça c'est bien. On peut peut-être faire E. Pourrait se faire. Bidonville. Ouais, on va attendre un tout petit peu. Merde, j'ai pris la clear. Tant pis. Tant pis, mais j'ai pas vu où il se trouvait celui-là. Ouais, j'ai pris c'est Kennel. Bon, c'est pas trop grave. Pas trop grave. 35. Ouais, j'en parlais. Donc il n'y avait plus de beaucoup de drogue, beaucoup de bœufs. Ah bah c'est bon, ça passe. 35 et 11. Allez, jusqu'au Kennel. On va checker les plantes. Stink avant. Stink plus important pour récupérer l'argent. Merci, 256. Ça va, toi tu viens juste d'arriver donc c'est pas mal. Ah merde, il est derrière. Petit con. Je pensais que t'étais de l'autre côté. 11 grammes. C'était de la chance, j'ai pas fait exprès de te prendre.
5, c'est bien. On va aller aussi rechecker, savoir si je peux payer l'amende à l'autre aussi. Voilà, la boîte noire. Ah, je suis à côté de la baraque, ça c'est bien. Les plantes avant. Voilà. 33%, donc ça c'est bien. Ça avance très très bien. On va être tranquille pendant un long moment ici. Oh. Là aussi il manque un peu de lumière, même beaucoup je dirais. Bon tant pis. Ah, j'ai découvert les flics. J'ai eu peur. Là c'est bon, là c'est bon. Ça ira, ça ira et ça ira. Voilà, on va remettre une bouteille d'eau là. L'argent là. Ah c'est bien. C'est très très bien. Allez, non, toujours pas fort. Toujours propriété de caution, donc c'est pas grave. 6 jours. Oh là là, c'est con. Elle m'a rapporté énormément, elle. Et le pire, c'est qu'on peut même pas savoir ce que le dernier truc qu'elle a commandé. Elle avait demandé beaucoup, il me semble. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. On se fera ça au prochain épisode. Donc voilà, on a quand même bien avancé chez les psychotiques. On a récupéré 2 cachettes. Donc comme promis, je vous mets le lien donc dans la description. Donc des lieux où vous pouvez trouver les bougies et des lieux, des emplacements donc sur la carte. Sur ça, vous en faites pas, ça sera fait. Hop, un accro. Qu'est-ce que ça met ? Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, ouais, un tout petit peu plus court que d'habitude, donc là j'ai remarqué comment que j'ai 54 minutes à peu près donc de vidéo, sans compter les petites coupures que je dois faire, mais bon ça sera pas énorme, ça sera sûrement 1 ou 2 minutes, donc ça va tourner sur un coup de 52 minutes sans compter le générique, ça je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que là, si je commence à faire les clients, j'en ai pour 10 minutes à quart d'heure. Voilà, ça va prendre quand même longtemps et je ferai ça au début d'épisode. Là, il est 3h. J'ai donné à peu près il y a 1h. Oh, on va aller récupérer la drogue d'abord. Si j'oublie ma drogue ici, ça va pas le faire. Voilà. N'oublions pas la petite cachette. Hein. Ce serait un peu dommage. Ah, j'ai pris 20 grammes d'estasi. Et pas 200. Ah, merde. Boulette. Ah, grosse boulette. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vraiment pire des cas, je demanderai que de l'ecstasy et ça prendra. Et c'est mieux, ok. Donc voilà, bah comme je disais, bah laissez comme d'habitude un petit commentaire. Je vous mets tout dans la description pour ça, il n'y aura pas de problème. Et bah voilà quoi. Comme d'habitude, petit commentaire, petit pouce. Allez, sinon, ciao, ciao tout le monde!